qu'il faut aujourd'hui à l'Europe, c'est l'Europe des nations, c'est l'Europe de la démocratie, c'est l'Europe des peuples, c'est-à-dire le contraire de la technocratie, ce qui veut dire que le Parlement français doit reprendre le premier rôle, ce qui veut dire que la Commission doit devenir un secrétariat du Conseil des chefs d'État. Nous voulons substituer au traité de Maastricht un nouveau traité de Rome. Cette Europe du GATT, c'est l'Europe du chômage, l'Europe de l'appauvrissement, celle que nous rejetons. Ce qu'il nous faut, c'est une Europe qui donne la priorité à notre entreprise, à notre agriculture, à l'intérieur d'un grand marché libre de 350 millions de personnes, un marché vigoureux qui créera et la prospérité et un avenir pour chaque Européen. Cette Europe de Schengen, sans contrôle aux frontières, moi, Charles de Gaulle, petit-fils du général, je n'en veux pas. La France ne doit pas être une passoire. L'Europe ne doit pas être une passoire. Nous voulons une autre Europe, celle qui assurera aux Français leur sécurité et leur prospérité.
priorité pour l'autre Europe. Semaine prochaine, Dijon, Lille, Marseille, Lyon. Vous aussi, vous êtes venus de la France entière, la Bretagne, la Sarthe, la Nièvre, la Drôme, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône. Certains sont venus de plus loin encore. Au nom de tous nos amis des territoires et départements d'outre-mer, en l'absence de Claude Saran, qui est conseiller municipal de Nouméa, qui est 38e sur la liste de la majorité pour l'autre Europe, pour tous les amis des territoires et départements d'outre-mer, je vous propose d'accueillir Marie-Annick Vergès, qui est avocat et qui accompagnera la semaine prochaine Charles de Gaulle et Thierry Jean-Pierre à La Réunion. Marie-Annick Vergès. De Claude Saran, retenu en campagne en Nouvelle-Calédonie, je suis particulièrement heureuse et émue d'être avec vous
pour vous exprimer le soutien enthousiaste de nos amis d'outre-mer. En effet, l'éloignement ne nous empêche pas de rester fortement attachés à notre mère patrie en raison de notre histoire, de nos combats communs, de notre langue, de notre culture. Mais l'outre-mer, vous le savez, c'est aussi des petites économies fragiles qui, depuis qu'elles font partie intégrante de la République française, ont réussi à atteindre un niveau de vie que nous envient nos voisins, mais qui n'ont pas encore réussi à trouver un développement adapté à notre spécificité. Dans ces conditions, faire son entrée dans le grand marché européen peut être analysé comme une chance et une réponse à nos problèmes. Mais, comme l'a toujours dit Philippe de Villiers, seule une Europe de la préférence communautaire peut faire cesser nos inquiétudes et éviter de précipiter dans le chômage et la misère nos travailleurs nombreux et peu qualifiés. Le rôle de la mère patrie, justement, de consolider et de renforcer notre espace au-delà des mers avant de le faire entrer dans une zone de libre-échange encore plus vaste. Jimmy Goldsmith nous a permis de prendre conscience du piège européen. Philippe de Villiers, par son courage et sa noblesse, sera la voix de la France d'outre-mer et de la France métropolitaine auprès de Bruxelles. Et c'est d'autant plus important pour nous que vous ne le savez peut-être pas, mais les régions d'outre-mer ne sont pas inscrites dans le traité de l'Union européenne, mais seulement dans la déclaration numéro 26. C'est-à-dire que nous faisons partie des annexes, ce qui affaiblit notre position. C'est la raison pour laquelle il est très important, le dimanche 12 juin, d'appeler tous nos amis de la France métropolitaine, de l'outre-mer, à voter pour la liste de la majorité pour l'autre Europe. C'est aussi pour eux que l'Europe se construit, c'est aussi pour eux que les 87 candidats de la liste de la majorité pour l'autre Europe se battent. Les jeunes, il a 27 ans, il est cadre commercial chez Michelin à Clermont-Ferrand après avoir fait HEC. Il est numéro 58 sur la liste. Thomas Berthaud, engagé depuis 2 ans aux côtés de Philippe de Villiers. Si j'ai voulu soutenir Philippe de Villiers en figurant sur sa liste, c'est parce que dans 20 ans, dans 30 ans, je ne veux pas vivre dans une Europe où la France serait réduite au rang de région parmi les autres. Certains prétendent aujourd'hui que si la France abandonne son indépendance pour se fondre dans une entité fédérale, elle sera plus forte. Mais pourquoi ? Pourquoi faudrait-il que la France cesse d'être libre pour que l'Europe soit grande ? Les fédéralistes opposent l'indépendance de la France et la grandeur de l'Europe. Or, les jeunes pressentent bien que les bons choix sont ceux qui unissent et non pas ceux qui opposent. Aimer la France, vouloir l'Europe, ce n'est pas contradictoire quand on veut construire l'Europe des nations.
Et moi, je veux continuer de voir briller les étoiles sur le drapeau européen. Toutes. Celles d'aujourd'hui et celles à venir. Et surtout, je veux surtout pouvoir y reconnaître, entre toutes, celle de la France. Thomas Berthaud. Elle est étudiante, c'est la Benjamine de la liste, mais c'est aussi la Benjamine de toutes les listes engagées dans cette compétition européenne. Elle est en numéro 75, Élodie Chauderlo. Contrairement à ce qu'on nous dit parfois, l'Europe ne se construit pas, elle existe déjà. Elle vient comme la France, du fond des âges, peut-être dès l'époque où Zeus enlevait Europe pour l'emmener en Crète. Ses valeurs profondes forment déjà son unité, au-delà de ses diversités. Et lorsque la Commission européenne prétend aujourd'hui qu'elle construit l'Europe en uniformisant et en intégrant les nations, cela signifie seulement qu'elle construit des administrations par-dessus cette culture. Elle risque ainsi de tuer ce que nous voulons défendre. En se lançant dans l'aventure de la communauté, nos parents voulaient avant tout concrétiser ce sentiment par lequel nous nous sentons solidaires des autres peuples européens. Mais quand on voit aujourd'hui, en Europe, l'absence de solidarité érigée en principe, par exemple dans le domaine commercial, on se dit qu'il n'y a plus rien de tout cela dans le système de Maastricht. Au contraire, tout paraît s'être effondré. Les espérances communes, les enthousiasmes, les solidarités réelles, tout cela a été dilué dans un fédéralisme grandissant. Il est donc du devoir de la jeunesse, ce bâtisseur d'avenir, d'être le moteur d'une autre Europe pour que l'on puisse tomber à nouveau amoureux de cette généreuse idée et pour que la France apporte à l'Europe la force de sa personnalité. C'est là le sens de mon engagement aux côtés de Philippe de Villiers. Il est vice-président du Conseil régional de Haute-Normandie. Il est instituteur, il a 34 ans. Il a quitté les Verts pour s'engager aux côtés de Jimmy Goldsmith à la Fondation Goldsmith pour l'environnement. Le numéro 14, Éric Pinel. Des écologistes avec Philippe de Villiers, c'est parfaitement logique. Écologiste de toujours, j'ai compris grâce à Jimmy Goldsmith que les partis au label écolo ne sont plus les seuls à avoir pris la pleine mesure des grands déséquilibres mondiaux et à avoir su analyser. Ainsi, ces élections sont l'occasion pour nous de nous pencher aussi sur les dangers qui menacent l'environnement. Nous devons chercher des alternatives non polluantes au nucléaire. À l'Est, bien sûr, où le risque est maximum, mais l'Ouest aussi doit tirer les leçons de Tchernobyl. Et il y a des emplois à créer. À titre d'exemple, sachez qu'aujourd'hui, en 1994, et depuis des années d'ailleurs, le budget énergie renouvelable d'EDF n'est même pas à hauteur de son budget publicité. C'est aussi pour nous le développement d'une agriculture moins chimique, plus douce pour la nature et pour la santé des consommateurs. La priorité doit aller à la qualité des produits. Outre le fait que c'est la seule voie possible pour la pérennité des petites exploitations, c'est également un de nos meilleurs atouts face à la mondialisation des échanges, à condition bien sûr que les normes d'hygiène et de traitement ne soient pas sacrifiées sur l'autel du libre-échangisme.
Les Européens que nous sommes avons mis des années pour mettre au point des technologies plus propres, pour que nos industries respectent mieux l'environnement. Et tout cela est remis en cause par la concurrence déloyale en provenance de pays n'ayant aucune préoccupation environnementale, aucune protection sociale, et qui vont jusqu'à pratiquer l'esclavage ou le travail des enfants. On le voit, si nous voulons développer un commerce respectueux de la nature et des hommes, alors la préférence communautaire est indispensable, tout comme elle l'est pour préserver nos acquis sociaux. Et je ne vois d'ailleurs pas comment on peut être écologiste et accepter de ratifier le GATT dans sa forme actuelle, comme le soutiennent certains. Nous ne voulons pas d'une Europe de l'uniformité, malade du chômage et de la précarité. Une telle Europe ne pourrait d'ailleurs pas aider le reste du monde à se prendre en charge et à s'engager vers un développement durable, parce qu'on ne sauve personne de la noyade lorsqu'on se noie soi-même. Par contre, il est encore temps, mais c'est sûrement maintenant la dernière occasion, de construire une Europe qui préserve nos emplois en même temps que notre environnement. Éric Pinel, en 14e position sur la liste. Comme Éric Pinel, elle est amoureuse de l'environnement. Comme Éric Pinel, elle rejoindra le Parlement européen dans 15 jours. Elle est en position numéro 10. Elle est agricultrice dans l'Essonne, membre du Bureau national de la coordination rurale, Anne-Christine Poisson. Les agriculteurs se sont battus contre la réforme de la politique agricole commune, contre Maastricht, contre Blair House et le GATT, qui chacun à leur manière ont tous poussé le démantèlement au démantèlement de la préférence communautaire en matière agricole. Le libre-échange, en la supprimant, détruit le principe même de la CEE. Sans préférence communautaire, nous serons confrontés à un terrible dilemme. Ou bien abandonner notre agriculture et acheter des produits agricoles dans les pays tiers à bas salaire, ou dans les pays hyper-productivistes qui ne respectent aucune règle d'environnement. Ou bien devenir nous-mêmes hyper-productivistes et les trois quarts des agriculteurs disparaîtront, tandis que les survivants sacrifieront l'environnement et les méthodes de culture pour produire toujours plus. Refusons. Refusons de détruire notre équilibre social et celui de nos paysages. N'oublions pas qu'un milliard d'hommes sont déjà sous-alimentés et que l'on prévoit une population mondiale de 8 milliards pour l'an 2030. Donc l'arme alimentaire sera bien l'arme du 21e siècle. Ne l'abandonnons surtout pas aux mains des pays extérieurs à l'Europe. Le GATT n'est pas ratifié définitivement, donc nous devons tout mettre en œuvre pour l'en empêcher. Le chômage est la plaie exsangue de la société de cette fin de siècle. La priorité doit être à l'emploi. Et l'agriculture est le plus gros employeur de main-d'œuvre du monde. Savez-vous que plus de la moitié des habitants du monde sont agriculteurs, soit 3 milliards ? Si nous ruinons 2 milliards de paysans, nous allons accélérer les délocalisations, le chômage et l'immigration dans des proportions telles que nous fabriquerons une fantastique bombe humaine qui anéantira nos civilisations. La ruine de l'agriculture, c'est aussi la ruine du monde. Donc battons-nous tous ensemble pour une autre Europe qui devra sauver notre agriculture et pour cela négocier une nouvelle politique agricole commune, rétablir la préférence communautaire, rééquilibrer les productions pour parvenir à l'indépendance alimentaire, résister aux pressions des États-Unis, maintenir de très nombreux paysans vivant dignement de leur travail et produisant à un juste prix des produits de qualité indispensables à la bonne santé physique et morale des Français.
Et c'est pour atteindre ces objectifs qu'en plus de la coordination rurale, j'ai décidé aussi de me battre de tout mon cœur avec Philippe Devilliers et Jimmy Goldsmith. Le prochain orateur est 8e sur la liste. Il est directeur de la campagne, maître de requête au Conseil d'État. Il vient de quitter son poste de secrétaire national au RPR pour s'engager aux côtés de Philippe Devilliers. C'est aussi le seul qui a répondu présent pour aller affronter Bernard Tapie à Gardanne aux dernières législatives. Hervé Fabre-Aubrespy. Chers amis, vous êtes venus nombreux aujourd'hui, très nombreux même, pour répondre à l'appel lancé par Philippe Devilliers et la liste de la majorité pour notre Europe. Vous êtes venus de toutes les régions, de tous les départements de France, de la France métropolitaine et de la France d'outre-mer. Vous êtes venus avec vos différences d'âge, vos différences culturelles, vos différences socio-professionnelles. Et je retrouve avec vous, avec émotion, la richesse et la diversité des grands rassemblements gaullistes. Et vous êtes venus aussi avec vos différences politiques. Ce n'est pas, en effet, l'appartenance à un même parti politique qui nous réunit ici aujourd'hui, avec un esprit de chapelle qui peut parfois tourner à l'intolérance, aux querelles politiciennes. C'est le partage des mêmes convictions, de la même vision de ce que doit être l'Europe de demain, de la même conception de la place que doit occuper dans cette Europe des nations que nous appelons de nos voeux, notre pays tant aimé, la France. Et je voudrais vous dire tout simplement que c'est parce que je partage avec vous l'amour qu'a Philippe Devilliers pour la France que j'approuve son combat pour qu'elle ne disparaisse pas dans un vaste ensemble européen, apatride et technocratique que je suis ici, moi, qui ai toujours appartenu au mouvement gaulliste, à l'UDR puis au RPR. J'ai en effet travaillé, chers amis, j'en suis fier, aux côtés de Jacques Toubon, d'Alain Juppé, au secrétariat général du RPR, aux côtés de Charles Pasqua, au ministère de l'Intérieur. Et je dois vous avouer que j'ai du mal à comprendre certains choix où les considérations tactiques l'ont probablement emporté sur la fidélité aux convictions. Je pense au choix du oui au référendum sur le traité de Maastricht. Je pense au choix de cette funeste cohabitation avec M. Mitterrand. Et je pense enfin au choix qui a été fait pour conduire à ces élections européennes une liste centriste. Une liste centriste avec un programme qui est tout sauf gaulliste et des candidats qui annoncent leur adhésion au groupe du Parti populaire européen, c'est-à-dire à un groupe partisan de l'Europe fédérale. Et c'est pour cela que je m'adresse à tous mes compagnons, membres et sympathisants du RPR, le Rassemblement pour la République, qu'ils soient ici ou qu'ils ne soient pas ici, pour leur dire que leur place dans cette élection européenne, elle est ici, à côté de Philippe Devilliers. Thank you.
Leur place est ici, aux côtés de Philippe de Villiers, qui s'est battu, comme vous tous, avec Charles Pasqua, avec Philippe Séguin, pour le non au référendum de Maastricht. Car ce qui était vrai en septembre 92 l'est encore plus aujourd'hui. Leur place également, mes compagnons, est ici, aux côtés de Philippe de Villiers, qui se bat pour que la France vive, heureuse, épanouie, fière d'elle-même, de son histoire, de ses valeurs, de son rayonnement culturel dans le monde de demain. Oui, leur place est ici, aux côtés de Philippe de Villiers, qui lutte déjà depuis plusieurs années pour une vie politique plus honnête, une vie politique plus droite. Qui lutte depuis plusieurs années pour une vie politique, en un mot, plus morale, avec des hommes et des femmes politiques, retrouvant le comportement désintéressé et intègre de l'homme politique qui était celui du général de Gaulle. Oui, mes compagnons, mes amis, notre place est ici. C'est de vous, en particulier, que dépend le succès de la liste Majorité pour notre Europe. C'est de vous que dépend le succès de l'ensemble de la majorité le 12 juin prochain. C'est de vous que dépend le succès de la majorité l'an prochain aux élections présidentielles. Car nous nous battrons, sachez-le, nous, demain, avec force pour que la majorité ait un seul candidat à l'élection présidentielle. C'est de vous, de nous tous, chers amis, que dépend, avec Philippe de Villiers, Jimmy Goldsmith, Charles de Gaulle, Thierry Jean-Pierre et les autres, c'est de vous que dépend la survie de la France. Hervé Fabre-Respy. Elle est mère de famille, agrégée de lettres, porte-parole des familles françaises au sein d'organismes européens. Elle est en sixième position sur la liste. Françoise Cellier. Chers amis, le système communiste s'est effondré dans l'Europe de l'Est. Il a été rejeté par les peuples de ces pays, fondamentalement parce qu'ils rejetaient un principe fondamental de toute vie sociale, de toute vie politique digne de ce nom. Et bien paradoxalement, c'est ce même principe fondamental qui est violé depuis un certain temps dans notre Europe de l'Ouest, par la dérive fédéraliste des institutions européennes et des décisions prises par les commissaires de Bruxelles. Alors, ce principe fondamental, vous le connaissez très bien, vous ici, mais de grâce, il faut être pédagogue pour l'expliquer à nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que M. Delors l'a employé avec un véritable contresens, lui faisant dire l'exact inverse de ce qu'il veut dire, ce fameux principe de subsidiarité. Que veut-il dire? Vous le connaissez, nous le connaissons dans notre vie de famille. C'est le principe qui est à la base même de toute éducation. Il consiste à faire confiance, à éduquer la liberté et la responsabilité. Et de même qu'une vie de famille est riche, quand nous respectons la personnalité propre, unique, de chacun de nos enfants et que nous les aidons à grandir et à prendre des responsabilités au fur et à mesure que l'âge le permet. De même, dans notre vie politique nationale, nous voulons que l'État respecte les responsabilités propres que sont capables de prendre nos familles et nos différentes communautés et collectivités de proximité. Eh bien, de même, au niveau européen,
nous voulons que ce même principe de respect, ce principe que nous tenons, qui est un acquis de nombreux siècles de civilisation européenne, grâce à la confluence de l'apport, vous le savez, de la Grèce, de Rome, et puis de cette longue imprégnation par la conception très riche et très haute de la personne humaine qu'a apporté le christianisme, eh bien c'est ce respect. C'est ce respect des personnes et des communautés capables de prendre en charge les décisions qui les concernent et qui ne délèguent qu'aux échelons plus lointains ou plus haut placés que ce qu'elles ne peuvent pas assumer par elles-mêmes, eh bien c'est tout cela qu'il faut faire mieux connaître, et en particulier à vos élus, à vos hommes politiques, car il n'est pas très logique que nos hommes politiques locaux, et quel que soit leur mandat, soient d'une part très jaloux de leurs prérogatives face aux empiétements de l'État, même dans notre pays comme la France, et tout d'un coup qu'ils acceptent ces abandons de souveraineté au niveau européen. Ce n'est pas logique, nous avons à le montrer. Donc notre combat, tous ensemble, pour l'autre Europe, c'est un combat fondamental pour toutes nos libertés. Nos libertés, celles qui nous tiennent le plus à cœur, non pas une liberté abstraite, mais une liberté qui s'incarne dans des responsabilités à tous les échelons, et bien sûr à l'échelon de la France. Françoise Seyé. L'homme qui va venir maintenant est viticulteur, maire de Cumières, député de la Marne et non sans mal. Il avait contre lui tous les appareils et pourtant par deux fois il a gagné. C'est lui le tombeur de Bernard Stasi, Philippe Martin. Merci. Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est une joie, c'est un honneur, je suis quelque peu ému de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et je remercie justement Philippe de me laisser cette possibilité. Je m'exprimerai à vous sur le thème suivant qui m'est cher, c'est sur le courage d'être libre en politique. Le courage d'être libre en politique, c'est avoir la possibilité, tant intellectuelle que matérielle, de se placer en dehors d'une norme. Le courage d'être libre en politique, c'est avoir l'audace de se poser cette question politique éternelle. Y a-t-il des moments dans l'histoire où nous servons mieux notre pays en rampant avec les stratégies fixées par les états-majors? Et c'est y répondre oui, comme le fait Philippe de Villiers pour ses élections européennes. Le courage d'être libre en politique, c'est ne jamais oublier que la politique n'est pas un métier, que l'élu peut être porté par ses électeurs, mais aussi sanctionné. La politique n'est pas un métier et ne doit pas l'être. Certains élus sont aujourd'hui des professionnels de la politique, installés dans leur mandat, persuadés qu'il leur appartient et que jamais personne n'aura l'outrecuidance de les déloger. Au fil des années,
Leur intérêt personnel prend progressivement de la place de l'intérêt de leurs électeurs. Et je sais de quoi je parle. Moi qui ai affronté un des représentants de cette classe politique préhistorique. Convaincu que son siège lui appartenait, il trônait sur la 6e circonscription de mon département. Battu par un homme de terrain, un rural, un viticulteur, en quelque sorte un paysan. Mais vexé, il a tout fait pour obtenir l'annulation de cette élection. De l'art de persuader les électeurs qu'ils se trompent quand ils font un choix, le bon choix. Alors, je suis issu d'une famille nombreuse, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Mon vice particulier est que j'aime ma famille. Ma région, mon pays, et que c'est pour eux que je me suis lancé dans la députation. Pour eux et pour tous les électeurs qui en ont assez d'être pris pour des machines à voter. Qui ont le souhait que l'on s'intéresse à eux et aux problèmes de leur région. Moi, viticulteur, quand je parle du GATT, je sais concrètement ce que cela veut dire. 15% de jachères, des campagnes abandonnées, des agriculteurs menacés. Chef de mon exploitation, lorsque je combats un libre-échangisme débridé, je sais ce qu'il en coûte pour nos entreprises, pour nos emplois et pour les sans-travail qui viennent frapper à la porte de ma permanence. Maire, je suis maire d'une commune de 900 habitants. Quand je parle de désertification rurale, je sais ce que veut dire un commerce, une poste, une école qui ferme. La politique ne doit pas être un métier, car l'élu doit se battre tous les jours pour les siens, pour sa voix et parfois contre l'appareil des partis. Un bon élu est un homme porteur d'un terroir, du terroir qu'il représente, d'une histoire. Car qui mieux que lui est à même de le défendre, de mettre en évidence sa tradition, sa spécificité. Le courage d'être libre en politique aujourd'hui, c'est admettre le ras-le-bol de nos électeurs qui n'en peuvent plus des retournements de veste et des promesses fallacieuses, c'est admettre qu'il existe une autre façon de faire. La politique ne se fait pas dans les salons cossus. Elle se fait avec les sans grades, les sans titres, avec ceux qui ont pour force leur conviction, la volonté de suivre un cap et de s'y tenir. La volonté de ne pas se plier aux consignes partisanes. La volonté, enfin, pour nos enfants, de faire une Europe, une autre Europe, qui représente un courant d'idées de la majorité, synonyme d'avenir et de jeunesse. Une autre Europe, celle de Philippe, Jimmy, Charles, Thierry, la mienne, la vôtre. Merci. Philippe Martin. L'homme que nous allons accueillir est ambassadeur de France, c'est un ancien collaborateur du général de Gaulle, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, conseiller diplomatique de Philippe de Villiers, qui lui a fait l'amitié de clore symboliquement la liste
Nous accueillons Monsieur l'ambassadeur Gilbert Pérol. Je suis ici ce soir au nom d'une fidélité. Ma fidélité au général de Gaulle et ma fidélité à une certaine idée de la France. Le général de Gaulle m'a appris trois choses. La première est d'appeler un chat un chat. La netteté du discours au service de la rigueur de la pensée, ce qui est une façon de ne pas tricher, ni avec soi-même, ni avec les autres. Le contraire de ce à quoi on assiste actuellement avec le cotonneux qu'on a érigé en politique. Qui peut douter que le général de Gaulle aurait dit non à Maastricht, un non franc et massif qui aurait fait trembler le monde politique français? Alors, devant cette évidence, on biaise, on argucie, on tente d'étouffer le débat sous le prétexte que Maastricht s'est dépassé. Et ceux qui se réfèrent au général de Gaulle pour appeler à l'unité oublient qu'il fondait cette unité sur la clarté des objectifs et non pas sur le compromis. Quant à moi, je n'ai pas retenu que l'hypocrisie ni la fuite en avant fassent partie de l'héritage du général de Gaulle. Il avait pour le peuple plus de respect. La deuxième chose que j'ai apprise du général de Gaulle, c'est de voir grand et loin, c'est d'aller à l'essentiel, ce que j'appellerais le sens de la vision. En cette fin du XXe siècle, nous vivons dans un monde qui craque de toutes parts. Nous assistons à un changement de décor à vue parmi les plus extraordinaires que l'homme ait connu depuis la fin de l'Empire romain. On a vu l'écroulement du rideau de fer et du système soviétique. On est témoin de la montée en puissance de l'Asie, du déracinement du tiers-monde qui jette sur les routes des millions d'hommes qui ont rompu le pacte séculaire avec leur terre natale, de l'éveil, de la crise de l'islam qui met le feu sur la rive sud de la Méditerranée et qui couve dans les Balkans. Face à ces périls, où nous conduit la construction européenne telle qu'elle est engagée? À l'impuissance, à la lâcheté, en attendant le déshonneur. La mécanique de Maastricht a ce double effet pervers qu'elle empêche les gouvernements européens d'agir, de prendre des initiatives. Le peu que la France a pu faire dans la malheureuse affaire yougoslave ne l'a-t-elle pas fait en dehors, et je dirais en dépit des procédures communautaires?
Donc, d'une part, la machinerie de Maastricht empêche les nations européennes d'agir, dilue leur marge de manœuvre dans un consensus mou, et d'autre part, ne leur substitue pas pour autant une politique européenne digne de ce nom, agissante et ferme. Jamais, je crois, l'image de l'Europe n'a été aussi terne vue de l'étranger que depuis qu'on prétend lui donner comme capitale Bruxelles. Congénitalement stérile, impuissante à imaginer et à décider. Elle en est même réduite, cette Europe de Maastricht, à ne même plus pouvoir faire un communiqué. Europe sans visage et sans voix. N'est-elle pas en train de devenir ce que ce funeste traité a voulu qu'elle soit, un espace anonyme ouvert à tous les vents du libre-échangisme, un sous-ensemble sans âme appelé à se fondre dans le nouvel ordre mondial. Face à cette perspective, qui douterait que le général de Gaulle aurait appelé les Français un double sursaut, d'une part pour libérer l'Europe de la technocratie qui l'étouffe, et d'autre part de rendre à la France et au peuple français sa souveraineté confisquée. Car c'est la troisième leçon que j'ai retenue du général de Gaulle, cette exigence d'une France maîtresse de son destin. Que la France reste la France, aimait-il à dire, une France aux mains libres. Dans l'atmosphère truquée de leur non-campagne, les Maastrichtiens parlent beaucoup de la France en ce moment. Et je dirais avec une ferveur subite, c'est ce qui m'inquiète. Quand dans le même temps, on poursuit à marche forcée la disparition, la préparation de la disparition de notre monnaie, notre vieux franc, qui chiffra la fortune de la France autant que son prestige international. Quand avec Schengen, on continue dans la voie de cette utopie criminelle visant à démanteler nos frontières. Quand on ligote notre diplomatie dans des tours de table banalisateurs, n'est-ce pas plutôt la mort sous anesthésie de la France qu'on nous prépare? Ces loups devenus bergers ne se trahissent-ils pas avec ce slogan dont ils font leur délice, la France est ma patrie, l'Europe est mon avenir, ou encore c'est une variante, l'Europe est mon ambition, comme si la France, elle, ne pouvait appartenir qu'au passé, comme un piano de famille qu'on met en place d'honneur au salon pour ne plus en jouer. Nous croyons, nous, que la France n'est pas finie, et nous sommes là pour le proclamer ce soir. Elle n'est pas finie comme le pensent sans doute ces Maastrichtiens honteux dans leur fort intérieur, qui se préparent à la fondre dans un nouveau Saint-Empire, capitale Francfort.
Pour nous, la France est vivante. La France a un avenir. La France a des ambitions. D'une part, au service de l'Europe, où elle veut prendre toute sa place, et d'autre part, en direction du monde, avec la coopération, avec la francophonie, pour remplir sa vocation à l'universel. Si la France n'est plus que la 12e ou la 16e partie d'une commission européenne, qui parlera au monde de la fraternité? Ça se dit aussi en anglais ou en allemand, mais ce n'est pas la même chose que de le dire en français. Voilà en peu de mots pourquoi je suis fier d'être sur la liste de Philippe de Villiers, de Jimmy Goldsmith, de Charles de Gaulle, et pourquoi je m'y sens à l'aise, au coude à coude avec les femmes et les hommes qui se trouvent engagés dans cette grande bataille que le général aurait aimé. Bataille difficile, à contre-courant de toutes les compromissions, mais bataille stimulante et qui attire l'œil, aussi bien en France et à l'étranger, parce qu'elle tranche avec le conformisme ambiant et qu'elle constitue un test. Toute la question, finalement, étant de savoir si on peut reconstruire la politique française sur la base des valeurs. Notre victoire sera celle du courage et de la netteté. Et nous en ferons l'acte fondateur d'une union retrouvée, renouvelée entre la France et l'Europe. Monsieur l'ambassadeur Gilbert Pérol. L'homme qui va venir maintenant est celui qui, aux côtés d'Antoine Godineau et de Philippe de Villiers, a tout simplement rompu le silence. Thierry Jean-Pierre. Merci. Merci. Justice, intégrité, humanisme. Ces valeurs-là ne sont ni des valeurs de droite, ni des valeurs de gauche. Ce sont des valeurs qui transcendent les partis politiques et le clivage traditionnel droite-gauche. On a fait croire à tous ceux qui, en 1981, ont voté pour François Mitterrand et pour le Parti socialiste, que la gauche avait le monopole de ces trois valeurs. Et tous ceux-là ont été trompés.
Je me faisais moi aussi à l'époque, et je me fais encore, une certaine idée de la justice. La justice doit être la même pour tous, aussi bien pour les grands délinquants économiques et financiers que pour les autres, que pour tous les autres. Or, c'est sous la gauche qu'a été votée le 15 janvier 1990 cette loi que l'on connaît mieux sous le nom de loi d'auto-amnistie. Ce sont les gardes des Sceaux de gauche qui classent ensuite les affaires mettant en cause les hommes politiques. C'est Christian Nucci qui, après avoir été amnistié de détournement de fonds publics à hauteur de 20 millions de francs, mazette, insulte ses juges à la télévision. C'est en plein régime socialiste que sont contaminés les hémophiles par le virus du sida à cause de considérations uniquement financières. Et puis, ce sont tous ces noms qui parlent d'eux-mêmes. Société Générale, Péchiné, Crédit Lyonnais, écoute du Conseil supérieur de la magistrature, écoute de la cellule élyséenne, Irlandais de Vincennes, et j'en oublie quelques-uns. Je me faisais aussi, et je me fais encore, une certaine idée de la responsabilité. Il me semble que plus on monte dans l'échelle sociale, plus on doit être responsable. Responsable responsable politiquement, évidemment, mais aussi responsable pénalement. Or, c'est sous la gauche que le niveau de corruption a atteint en France un seuil que vous n'imaginez pas. Tout peut être aujourd'hui objet à versement d'une commission. Les marchés publics, ça vous le savez. Les modifications de plans d'occupation des sols. Les mises sur le marché des nouveaux médicaments. Les autorisations d'implantation de scanners. Les autorisations d'implantation de grandes surfaces. Les ventes d'armes. Les autorisations d'exportation d'objets d'art. Les grands contrats internationaux. Alors, comme il serait facile, avec quelques autres, de dire tous pourris les politiciens, tous pourris les juges, tous pourris les policiers, tous pourris les journalistes. Eh bien, ce tous pourris-là, c'est la mort de notre démocratie. C'est la porte ouverte à l'anti-parlementarisme. C'est la porte ouverte aux aventures extrêmes et aux aventures personnelles. Ce peut être demain, ce propriétaire de yacht, protégé depuis quelques années par le chef de l'État, quatre fois mis en examen, poursuivi par le fisc, par les douanes, par ses créanciers, poursuivi par sa banque et déménageur de meubles par son épouse interposée. Personne ne s'y opposant, ce peut être un présidentiable qui compte. Eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas tout à fait encore dans une situation à l'italienne qu'il faut mener en France, dès aujourd'hui, une opération main propre. Il faut éliminer la corruption de notre paysage politique. Il faut le faire, même si c'est difficile, et même s'il s'agit de dirigeants de son parti. Il faut le faire. Il faut le faire parce que l'intégrité est un combat contre soi-même, et parce que c'est en éliminant la corruption de notre vie publique que nous éviterons à la France ce qui s'est passé en Italie. Alors, il faut laisser faire les juges, il faut leur donner les moyens de faire leur travail. Mais je peux vous dire, et ce n'est pas vraiment un scoop, que
La société politique française n'est pas vraiment décidée à leur donner ces moyens-là. Je me faisais aussi, et je me fais encore, une certaine idée de la défense des droits de l'homme, une défense active et qui n'exclut pas, le cas échéant, le recours à la force. Mais les droits de l'homme, ça n'est pas ce qu'ils en ont fait. Ça n'est pas, dans notre droit interne, ce que proposait la commission Delmas-Marty qui a rendu ce rapport en 1990, c'est-à-dire la suppression du juge d'instruction et le fait de confier les enquêtes au parquet et au seul parquet, placé bien évidemment sous l'autorité directe du garde des Sceaux et donc du pouvoir politique. Ça n'est pas non plus, dans notre droit externe, cette supranationalité molle où un organisme non élu, la Commission européenne, fait la pluie et le beau temps dans l'Europe des 12. Et ça n'est pas... Et ça n'est pas non plus ces intellectuels partisans qui font de la souffrance d'un peuple de l'ex-Yougoslavie un prétexte de campagne et qui prônent pour tout programme l'envoi d'armes à un des belligérants. Justice, intégrité, humanisme. Dans le paysage politique français d'aujourd'hui, c'est Philippe de Villiers, c'est Jimmy Goldsmith, c'est nous tous ici, avec vous, qui incarnons ces valeurs. C'est pour cela que notre liste est une liste de rassemblement. Nous y sommes bien parce que nous sommes différents, parce que nos parcours sont divers. Et c'est pour cela que nous serons élus et demain, nous allons nous installer dans le paysage politique français. Merci. Thierry Jean-Pierre. Il est député européen, avocat international, mais surtout, il partage avec Philippe de Villiers une certaine idée de la France en Europe. Charles de Gaulle. Mes chers amis, lorsqu'au mois de septembre de l'année dernière, nous avons décidé, Philippe de Villiers, Jimmy Goldsmith et moi-même, de nous présenter aux élections européennes, nous avons pensé à la France. Au mois de septembre dernier, nous avons pensé à la France parce que nous l'aimons, mais aussi parce que notre beau et cher pays ne saurait exister sans cette aspiration à la grandeur qui est un espoir pour chacun d'entre nous. Pourquoi, en effet, entreprendre une action politique sans avoir conscience que la vie est un combat, que l'effort est la seule voie de la permanence, que le bonheur est construit tous les jours, que les faux-semblants et l'attentisme sont détestables. Aller au-delà des péripéties, dégager l'essentiel de l'accessoire, voilà la tâche de l'homme politique qui s'accomplit avec le sentiment que tout est possible, à condition de le vouloir vraiment. Ainsi, nous avons la conviction profonde que la tentative insidieuse, mais délibérée, de transférer la souveraineté française à des organismes supranationaux entraînerait, si elle se poursuivait, de graves conséquences pour les Français.
Comment supposer longtemps que diluer la France dans un agglomérat de 16 et bientôt de 20 pays puisse, par la seule addition des nombres, créer des emplois et rétablir la sécurité dans nos villes? Comment imaginer que 17, bientôt 20 ou 25 commissaires anonymes siégeant à Bruxelles et délibérant dans le secret puissent comprendre et agir mieux que les institutions de la République pour résoudre les problèmes de la société française? Non seulement nous combattons le traité de Maastricht, mais nous combattons la logique du traité de Maastricht. Des textes volontairement flous et parfois anodins permettent toutes les interprétations qui, des initiatives de la Commission de Bruxelles à l'effet prétendument automatique des dispositions du traité, ont pour conséquence d'en étendre sans cesse et sans contrôle le champ d'application. D'un livre blanc ou d'un rapport à l'autre, la tactique de l'Europe de M. Delors est maintenant connue. C'est celle du grignotage progressif et permanent de la souveraineté nationale en vue de son intégration dans un ensemble fédéral. Il serait illusoire de penser qu'en abandonnant des pans entiers de sa souveraineté à cette Europe de Maastricht, la France serait gagnante à se reposer sur autrui de ce qu'elle ne voudrait plus accomplir elle-même. De notre souveraineté dépend en effet notre sécurité. Assurer la sécurité des Français, c'est lutter avec les moyens nécessaires contre tous les trafics internationaux qu'une ouverture inconsidérée de nos frontières a pour résultat de faciliter. Trafic de drogue, investissement en France de l'argent criminel, réseau d'exportation de voitures volées sont d'ores et déjà encouragés par l'application anticipée des accords de Schengen qui a démantelé les contrôles de police aux frontières. Nous savons bien que certains des autres pays de la Communauté européenne n'ont pas les mêmes conceptions que la France dans le domaine de la sécurité. Par exemple, la détention de drogue est dépénalisée chez certains de nos voisins qui ont pratiquement renoncé à lutter contre l'extension de ce fléau. Comment, en conséquence, leur demander d'appliquer, pour compte de la France, des mesures restrictives qui seraient contraires à ce qu'ils considèrent comme l'expression d'un choix individuel au même titre que la consommation de la bière ou du tabac? Assurer la sécurité des Français, c'est poursuivre d'autre part un effort constant de modernisation de nos forces armées et en particulier de nos forces stratégiques qui, n'en doutons pas, donnent à la France la dimension très particulière d'un pays incommode mais respecté. Nous avons conscience qu'il existe de par le monde des situations intolérables de pauvreté et d'oppression. Il nous appartient de faire notre devoir pour atténuer les souffrances des populations qui sont victimes de la misère et de la guerre. Chacun sait que la France y consacre beaucoup d'efforts et qu'elle n'est pas avare de son aide. L'histoire nous a donné à cet égard une responsabilité toute spécifique à l'égard du continent africain. Cependant, le sens de notre responsabilité en tant que défenseur des libertés implique aussi et tout d'abord que nous respections l'unité et la cohésion de notre pays en limitant
en limitant d'une façon drastique la venue en France de populations pour lesquelles la France a déjà beaucoup fait. Avec plus de 4 millions de chômeurs, il ne nous est pas possible d'accueillir des demandeurs d'emploi supplémentaires, alors même que la priorité absolue de notre politique doit être de diminuer le chômage et de maintenir les acquis sociaux. Il n'y a aucune culpabilité à appliquer une politique de l'immigration qui réserve d'abord aux Français les emplois disponibles et les avantages d'une protection sociale élevée. Nous devons par ailleurs aux personnes âgées la reconnaissance des efforts et du travail qui ont été les leurs pour que la France reste un pays de solidarité et de liberté. Nous ne voulons pas de cette Europe passoire qui, loin d'être l'opportunité de croissance et de protection qu'on nous avait décrite, conduirait notre pays à l'effacement et au déclin. À l'aube du XXIe siècle, nous croyons à une France moderne, ambitieuse et résolument tournée vers la coopération internationale. Mais seule une France forte et maîtresse de son destin pourra participer pleinement à la construction européenne. À nous, le 12 juin, de nous engager pour l'Europe de l'avenir, c'est-à-dire l'Europe des nations et de la coopération. D'un père britannique et d'une mère auvergnate. Il a lancé une toute petite affaire, ils étaient deux, lorsqu'il s'est retiré quelques années plus tard. Son groupe comptait 150 000 salariés. Il a décidé de transmettre sa vision de l'économie internationale, une vision d'expérience au travers d'un livre qui s'appelle Le Piège. Je vous demande d'accueillir Jimmy Goldsmith. Lorsque nous avons construit l'Europe, nous avons voulu construire une Europe forte à l'extérieur, libre à l'intérieur, respectueuse des nations, des traditions, des cultures, de l'emploi, du monde rural. Et pour atteindre ce but, nous avons inclus dans le traité de Rome un article qui prévoyait la préférence communautaire. Par cela, je veux dire, le traité de Rome, l'origine de l'Europe, était de construire un grand marché libre à l'intérieur duquel les produits, les marchandises pouvaient circuler librement, les personnes pouvaient circuler librement. Mais vis-à-vis des pays tiers, il y aurait un tarif unique. Ça veut dire que chaque nation européenne
traiterait le commerce avec les pays tiers de la même manière. Ainsi, en donner priorité à l'entreprise, à l'agriculture et à l'emploi européen. Les technocrates de Bruxelles ont décidé autrement. Ils ont décidé d'introduire silencieusement, progressivement, une doctrine exactement renversée. Ils ont pris sur eux de progressivement éliminer la préférence communautaire pour mettre à sa place un libre-échangisme mondial, c'est-à-dire la conversion de l'Europe en une passoire. Et nous en subissons déjà les premiers résultats. Lorsque les technocrates ont pris cette décision, le chômage en France, qui alors n'était pas traité par les moyens sociaux, c'était l'ensemble du chômage, représentait 420 000 chômeurs. Aujourd'hui, après cette transformation, après cette élimination progressive de la préférence communautaire, nous sommes arrivés à plus de 5 millions de chômeurs, et la raison, et je dis 5 millions exprès, je sais que les chiffres officiels sont 3 millions 3, mais si vous analysez les chiffres publiés par l'INSEE, l'Institut National de Statistique, et par le ministère des Affaires Sociales, vous trouvez toute une catégorie de chômeurs qui ne figurent pas du tout dans les listes. Les chômeurs de plus de 57 ans, ceux de 55 ans s'ils satisfont à certains critères officiels, les personnes en grande difficulté sociale non inscrites à l'ANPE, la population bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité, les jeunes de 25 ans en grande difficulté dans des dispositifs d'insertion, la population sans domicile, les chômeurs de très longue durée qui ne sont plus inclus dans les chiffres, les RMistes non inscrits à l'ANPE. Tout cela pour vous dire que même sans tenir compte des 400 000 emplois jeunes aidés, il y a plus de 1 800 000 chômeurs déguisés, ce qui fait une population, représente une population totale de plus de 5 millions de chômeurs à comparer à 420 000 lorsque les technocrates ont changé la base sur laquelle l'Europe devait être construite. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette extraordinaire croissance de chômage, cette tragédie qui afflige la nation, est-ce le résultat de quelque chose de provisoire, de transitoire, la crise par exemple? Parce que si c'est le cas, on peut traiter ce problème peut-être par des moyens d'ajustement, de hausse des taux, des baisses de taux d'intérêt, des petits ajustements. Ou est-ce un problème systématique? Parce que si c'est le cas, il faut changer de système. Donc il faut prendre du recul. Il faut voir ce qui s'est passé pendant cette période. Y a-t-il eu une crise? Eh bien non. Pendant ces 22 ans, l'économie de la France a presque doublé. Il y a eu une croissance de 80%. Et malgré cela, le chômage a grimpé dans les conditions que je viens de vous décrire. Donc il faut cesser de nous expliquer qu'en faisant des petits ajustements ici ou là, cela va nous sortir de la crise de l'exclusion qui existe aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que c'est que le libre-échange mondialiste? C'est une idée selon laquelle tout peut être fabriqué, tout et n'importe quoi, n'importe où dans le monde, pour être exporté et vendu n'importe où ailleurs. Mais c'est une idée du 19e siècle. C'est une idée même des années 50 et 70, des années 50 et 70, 60 et 70. Mais les gens qui l'appuient ne se rendent même pas compte qu'ils appuient des idées totalement ringardes. Ils ne se rendent pas compte, pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les changements extraordinaires qui ont eu lieu depuis quelques années, et plus particulièrement depuis la chute du mur de Berlin. 4 milliards de personnes viennent de surgir dans l'économie mondiale. Des Chinois, des Indiens, Indonésiens, Vietnamiens, les anciens pays soviétiques. 4 milliards de personnes. Ces gens avaient été tenus à l'écart de l'économie mondiale parce qu'ils avaient une politique qui les tenait à l'écart, parce qu'ils n'avaient pas de technologie et parce qu'ils n'avaient pas de capitaux. Aujourd'hui, tout cela est changé. Le système communiste s'est effondré. La technologie peut être transférée n'importe où dans le monde, instantanément sur le dos d'un micro-ordinateur. Et comme il n'existe plus de contrôle d'échange, les capitaux, eux aussi, peuvent être transférés n'importe où dans le monde, instantanément. Le résultat de cela, pensez en tant que chef d'entreprise français. Imaginez-vous que vous êtes à la tête d'une entreprise et que vous devez faire concurrence à une entreprise qui fabrique des produits identiques aux vôtres, par exemple au Vietnam. Ils peuvent fabriquer des produits identiques, ils vont les vendre dans le même marché, ça veut dire le marché français. Ils ont accès à la même technologie, ils ont accès aux mêmes capitaux. Il n'y a qu'une différence, c'est qu'on peut employer 47 Vietnamiens pour le prix d'un seul Français. Donc comment voulez-vous que l'entreprise française puisse survivre? Le chef d'entreprise que vous êtes dans ces circonstances-là, vous vous trouvez devant deux choix. Soit de déménager votre production, de fermer en France, bien entendu, de déménager votre production, de liquider votre personnel de production, de maintenir en France que le personnel du siège social et de l'équipe de vente et de tout faire fabriquer au Vietnam et de le réimporter en France. Si vous décidez cela, vous faites fortune. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si vous avez une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires dans toutes les industries classiques, vêtements, toutes les industries classiques, vous dépensez en moyenne 30% de votre chiffre d'affaires en salaire, ce qui fait 300 millions. Si vous délocalisez, ça veut dire vous déménagez la production, vous allez faire une économie de 200 millions. Donc vous allez gagner 20 milliards de centimes de plus par an. Extraordinaire récompense. Si vous restez, vous ne pouvez pas faire concurrence. Vous allez faire faillite. Et non seulement est-ce que l'ensemble de votre personnel de production sera-t-il mis en chômage, mais en plus ceux du siège social et ceux de l'équipe de vente. Donc, nos dirigeants sont en train de nous imposer une politique économique stupéfiante. Si vous dites à vos équipes, messieurs, mesdames, vous êtes trop chers, vous voulez des vacances, vous voulez être protégés, eh bien non, je vous remplace par des gens qui sont prêts à travailler à moins de 5% que vous,
qui n'ont pas de syndicats, qui n'ont pas de protection, qui ne veulent pas de vacances. Si vous faites cela, vous faites fortune. Et si vous restez en France, vous faites faillite. Voilà la politique économique qu'on nous impose. Et ne croyez pas que c'est fait sans connaître les conséquences, sans comprendre les conséquences. J'ai lu un témoignage assez récent du ministre de l'Industrie, M. Languet, qui a fait devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Au cours de ce témoignage, il dit par exemple que Majorette, la société de jouets, était en difficulté et il ajoute probablement parce qu'elle n'a pas su se délocaliser à temps. Pendant le même témoignage, il y a un député qui intervient et qui dit qu'il a un ami industriel, fournisseur d'un ministère français, qui achète entre 60 et 80%, paraît-il, de ses produits de Chine, d'origine de la Chine. Et cet industriel français est allé voir le ministère en disant qu'il ne pouvait pas faire concurrence. La réponse était simple. Réponse donnée par le ministère à l'industriel français. Ben, il faut vous délocaliser. En conséquence, le gouvernement lui-même recommande la délocalisation, la destruction de l'emploi, la création du chômage. Alors, dans ce même témoignage, M. Languet a continué. Il a dit, si nous voulons vendre nos produits de haute technologie, TGV, industrie aéronautique et spatiale, par exemple, il faut savoir sacrifier nos industries de bimbloterie. Ça veut dire, ça, c'est toutes nos industries classiques. Bimbloterie, ça, c'est vous, messieurs, mesdames. Ben, je vais vous dire, on nous parle de la vente des TGV en Corée du Sud. Vous en avez entendu parler, tout le monde a dit que ça allait produire des quantités extraordinaires d'emplois. Alors je me suis penché sur les chiffres, je les ai analysés. La vente, le contrat TGV avec la Corée du Sud va maintenir, personne ne suggère créer, 800 emplois en France, 800, il y a 5 100 000 chômeurs, dont 535 chez la société Alstom et 265 chez les équipementiers. Sur les 46 rames qui vont être fabriquées, 34 seront fabriquées en Corée. En ce qui concerne les composants, le matériel roulant va être fabriqué par Hyundai, Daewoo, Hanjin, la signalisation et le système de contrôle de trafic par Samsung et l'assemblage par la société Hyundai. Je vous garantis qu'aucune de ces transactions ne fournira le moindre emploi à Niort. Et en plus, on a accordé à la Corée du Sud une licence d'exploitation en transférant toute la technologie, ce qui permettra dans quelques années à l'Extrême-Orient de se fournir en TGV directement auprès de la Corée du Sud, sans passer par la France. L'aéronautique, j'ai regardé les chiffres, 123 000 en 1987, 102 000 prévus à court terme. Jeudi, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, la GIFAS, jeudi de cette semaine, a demandé officiellement
je cite, une préférence communautaire pour leur industrie, sinon les élections ne servent à rien et l'Europe recule. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte de plus? On vous raconte que ce seront les services qui vont compenser les pertes d'emploi. Mais même ça, c'est faux. C'est encore des gens ringards qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, il y a des satellites. On peut louer un petit espace sur une satellite et passer des coups de téléphone constamment n'importe où dans le monde, à pas cher. Résultat, c'est que les sociétés qui emploient des grandes quantités de personnes dans leur administration peuvent délocaliser l'administration et passer tout par satellite. Quand vous téléphonez à leur siège social, vous croyez parler à une société en Occident, mais en réalité, vous parlez à Bombay. D'ailleurs, Swissair vient de délocaliser 1000 comptables à Bombay. En conséquence, encore un exemple de la profonde ignorance de ce qui se passe sur le terrain. Des gens qui veulent nous imposer des systèmes qui vont être dévastateurs pour la France et pour l'Europe. Et ils vous disent, vous l'avez tous entendu, la France est le quatrième exportateur mondial. Ils oublient de vous dire que la France est d'habitude troisième importateur, que 70% de nos exportations sont à destination de l'Europe. Donc la préférence communautaire ferait grandir, ferait croître ces exportations parce qu'elle remplacerait celles qui ne viendraient plus de l'extérieur. Et de toute façon, comme le Japon le prouve tous les jours, on n'a pas besoin de se convertir en passoire pour pouvoir exporter. Alors, j'ai voulu vous donner encore quelques chiffres, c'est ma tâche dans cette équipe. Depuis ce changement de stratégie, 1 million d'emplois ont été perdus dans l'agriculture. 171 000 détruits dans la construction mécanique. Vous voyez un petit peu, vous regarderez la diversité des industries. 356 000 dans le textile de détruits. 107 000 dans la construction électrique et électronique. 101 000 dans les meubles. Pour les vélos, 50% de hausse de vente, 50% de destruction d'emplois. Industrie de la céramique, 40% des emplois détruits. Dans la chaussure, sur 330 millions de paires de vendues, en France, 230 millions d'importés. Même chose dans l'horlogerie, dans le cuir, jouets, vêtements et ainsi de suite. Seuls les emplois des services des États ont gonflé. Et c'est peut-être pour ça que le 8 mai 1994, il y a quelques jours, dans le journal de dimanche, M. Baudis a déclaré, et je le cite, entre guillemets, « L'Europe a créé des millions d'emplois ». Fermez les guillemets. Alors l'agriculture est une tragédie particulière. Parce qu'un million d'emplois, c'est 1 million de familles. C'est 1 million de familles qui sont déracinées, qui sont projetées dans des concentrations urbaines, qui sont détruites. Et il faudrait que nos gouvernants se rendent compte qu'il n'existe pas de nation saine sans campagne saine. Un important ministre socialiste qui, après avoir décrit le GATT, intelligemment d'ailleurs, et plus particulièrement le Blair House, le préaccord de Blair House comme affreux, sans mots,
à continuer, affreux pour l'agriculture, il a dit, a ajouté en disant que les pertes, et encore je le cite, ne correspondent qu'à 16 Airbus A340. Voilà un homme, soi-disant de cœur, qui ne peut pas comprendre la différence entre le déracinement, la désertification du monde rural et vendre quelques Airbus de plus. Dans une société saine, le contrat est entre les générations passées, les générations présentes et les générations futures. Dans une société dégénérée, le contrat est entre contemporains pour obtenir la gratification instantanée. Et c'est ce que nous faisons en détruisant notre monde rural, en détruisant la stabilité de la nation, simplement pour flatter quelques indices économiques. Alors concrètement, quelles sont les solutions ? D'abord, il faut rétablir tout de suite la préférence communautaire. Et il faut donner la priorité à nos entreprises, à notre agriculture, à nos emplois. Il ne faut importer que ce dont nous avons besoin pour la santé de notre économie. Et il ne faut pas importer les éléments, les produits qui détruisent nos emplois. Il faut un grand marché libéral européen, un marché qui, progressivement, par le jeu d'une concurrence saine, débloquera des économies, parce que ce n'est pas seulement le libre-échangisme, il y a également des blocages malsain dans toutes les économies qu'il faudra aussi nettoyer par une concurrence saine. Il faut permettre aux autres de venir investir. Alors on vous dit, les consommateurs, si on ils vous disent toujours on va fermer nos frontières, on va devenir protectionniste, on n'aura pas accès à des nouveaux produits. Pas du tout. Si les Coréens, si les Japonais, si les Américains ont un nouveau produit, qui veulent nous vendre, qui viennent, qui construisent une usine, qu'ils amènent leurs capitaux, qu'ils amènent la technologie, qu'ils emploient des Français, qu'ils fassent partie de notre économie. Et nous ferons la même chose chez eux. Mais la différence entre bâtir une usine pour servir un nouveau marché ou bâtir une usine pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre bon marché pour ramener les produits en France, et la différence entre l'aménagement et le déménagement, entre la vie et la mort. Alors les gens de Maastricht vous disent la solution à tous nos problèmes, ils me le répètent constamment, c'est plus d'Europe. Moi, je suis d'accord que ce soit plus d'Europe, mais pas leur Europe, pas l'Europe de Maastricht, l'Europe de la liberté et l'Europe de la protection saine. Ce sont nous les vrais Européens, ce sont eux les gens qui ont détruit les espérances européennes que nous avions tous. On nous parle aussi de nos responsabilités morales. Sommes-nous en train de créer un club de riches? Je vais vous lire un extrait très court de la Banque mondiale. Parlons
de cette confrontation entre deux planètes différentes, les 4 milliards de gens qui travaillent pour rien, les pauvres pour le moment, et nous. Et ils disent, ce nivellement des salaires, c'est eux, je cite, se ferait inexorablement par le bas, étant donné que la masse considérable et la rapide croissance des populations sous-employées du tiers-monde, les travailleurs du Nord s'appauvriraient, tandis que ceux du Sud resteraient sensiblement au même niveau de vie. En France, cette politique va créer des divisions sociales tragiques, dangereuses, porteurs de n'importe quel résultat inattendu. Pensez un petit peu aux divisions que je viens de vous décrire. Ceux qui se délocalisent font fortune, mais ceux qui vont au chômage, eux ne font pas fortune. Ceux qui ne délocalisent pas font faillite, ça ajoute le chômage. Avec la liberté de mouvement des capitaux, et je suis parmi ceux qui ont la chance d'en avoir, eh bien, la liberté des capitaux permet à ceux qui l'ont de l'envoyer n'importe où, où la rentabilité est la plus grande. Ceux qui n'ont pas, encore une autre division. Et en ce qui concerne tout ce qui est fabriqué, toute notre civilisation, notre société industrielle, est basée sur un système du partage de la plus-value. Lorsque vous fabriquez quelque chose, la plus-value est partagée entre le capital et le travail. Un équilibre qui a évolué sur des siècles, avec des grèves, des bagarres, des débats politiques, tout ce que vous voulez. Et nous avons atteint un équilibre plus ou moins satisfaisant. Mais si on fait rentrer 4 milliards de personnes, la France ne représente qu'1% de la population mondiale, 4 milliards de personnes prêtes à travailler pour quasiment rien, comment voulez-vous que cela ne brise pas l'équilibre du partage entre le travail et le capital dans des conditions qui ne peuvent que mener à un rejet et à une réaction brutale? Nous le voyons déjà aux États-Unis, où les employés, depuis 1973, en termes réels ajustés pour l'inflation, à la suite du libre-échangisme, ont vu leur salaire baisser de 23%. Et ce n'est que le début, parce que c'est maintenant que ça commence avec les récents accords. Donc nous allons vers des aventures inconnues dues aux doctrines que ces messieurs nous imposent. Et tout cela, dû à Maastricht, qui a érigé le libre-échangisme comme un fondement, comme un principe de base de la nouvelle Europe. Et ils l'ont fait en secret. Et je vais juste vous rappeler ça avant de terminer. Écoutez Claude Cheysson, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien commissaire, monsieur estimable, qui dit dans le Figaro il y a à peu près 2 semaines, je cite, « Dès le départ, nous nous sommes placés dans l'absence de la démocratie. Et c'est ainsi que nous avons réussi dans la communauté. Nous avons toujours mieux avancé hors contrôle démocratique, c'est-à-dire sans vous tenir au courant. Rappelez-vous Schengen, dont on a parlé largement ce soir. On l'a découvert, c'est le sénateur Paul Masson qui l'a découvert 3 ans après sa signature. Cet accord fondamental pour la sécurité de la France a été fait en secret et découvert par hasard. L'accord de Blair House, qui devait déterminer quelle partie du monde rural allait être amputée, monde rural français bien entendu, selon les diktats de l'Amérique, le ministre de l'Agriculture de l'époque français, Jean-Pierre Soisson, l'a su 3 jours après la signature, a connu le contenu. Et cela continue. Le programme de M. Baudis est clair. Qu'est-ce que dit ce programme? Plus de l'Europe fédérale, plus de GATT, plus de Schengen. Engagement de siéger
au sein de Strasbourg, à Strasbourg, au sein du Parti populaire européen, le Parti fédéraliste. Mais le 4 mai, tombe de l'agence France-Presse une déclaration de M. Baudis qui déclare, entre guillemets, qu'il est contre une Europe fédérale. Le 4 mai. Le 11 mai, il y a un courrier tampon très signalé, envoyé à l'ensemble des candidats de la liste de M. Baudis, dossier d'information. Le programme, chaque paragraphe pour une Europe fédérale, pour Schengen, pour accélérer le GATT et Schengen, et confirmant qu'ils siégeront au Parti populaire européen, qui dit, entre guillemets, c'est seulement par une structure fédérale que l'Union européenne engendrera les efforts nécessaires à l'avenir de l'Europe. Ce matin, dans le Figaro magazine, je lis une interview de M. Baudis qui dit, entre guillemets, je le cite, « En 11 ans de vie publique, je mets quiconque au défi de trouver une ligne ou un propos de moi en faveur d'une Europe fédérale. » Eh bien, moi, je réfère M. Baudis à son propre programme. Madame Hélène Carrère-Dancausse, femme estimable, qu'est-ce qu'elle déclare ? Maastricht s'est dépassé. Qu'est-ce qu'elle déclare ? Quelques minutes plus tard, Maastricht, c'est un point de départ. Nous vous implorons, messieurs et mesdames les politiciens, de cesser de jouer ces jeux avec nous, de commencer à nous dire la vérité. Il est convenu que Maastricht doit être entièrement renégocié en 1996. Donc, il faut commencer le travail maintenant. Donc, ne nous dites pas que Maastricht, c'est trop tard. Ne nous dites pas que le GATT, c'est trop tard parce qu'il y a des représentants d'État qui ont signé le 15 mars à Marrakech. L'accord du GATT n'a pas été soumis, ne parlons même pas d'approuver, n'a pas été soumis aux parlements nationaux, par exemple les parlements européens, ou le grand gré américain, ou la diète japonaise, ni bien évidemment au Parlement européen. Donc tout est à faire. Mais cette fois-ci, qu'il y ait des gens au Parlement européen qui soient là pour défendre nos intérêts et non pas pour les sacrifier. Lorsque nous rebâtirons l'Europe, bâtissons-la sur la base vraiment démocratique, dans une vraie démocratie, ce sont les citoyens qui déterminent quel pouvoir prêter à leurs gouvernants. Ce ne sont pas les gouvernants qui décident quelle liberté prêter aux citoyens. Merci beaucoup. Vous êtes ce soir 10 000 à être venus soutenir la liste de la majorité pour l'autre Europe. Et 10 000 à être venus écouter le leader, le numéro 1 de cette liste, Philippe de Villiers.
Mes chers amis, vous êtes venus de Paris, de la région parisienne, de toute la France. Je ne voudrais pas vous retenir très longtemps, mais simplement vous dire ceci. En présence de la presse française et européenne, nous allons le 12 juin, créer la surprise. Parce que le 12 juin prochain, on ne pourra plus sortir un nouveau lapin du chapeau. Le 12 juin prochain, ça n'est plus le sondage universel, c'est le suffrage universel. Et je voudrais, au nom de tous nos colistiers, vous dire un grand merci du fond du cœur pour ce que vous avez déjà fait. Le bouche à oreille, le système Tupperware. Et pour ce que vous allez faire dans les quelques jours, les quelques heures qui nous restent avant cette échéance décisive. Je voudrais répondre à trois questions simples et que beaucoup de Français se posent. Et que beaucoup de Français vous posent, ou ne manqueront pas de vous poser dans les heures qui viennent. Première question, qui sommes-nous? Quelle est donc cette liste? Deuxième question, pourquoi voter pour nous? Troisième question, quelle est notre différence? Nous sommes une liste qui n'est pas sorti du libre jeu des appareils. Est-il besoin de le souligner? Nous sommes une liste de gens libres, de la France des inquiétudes quotidiennes, de gens qui ont en commun notamment, et pour commencer, une qualité française, l'indépendance d'esprit. L'indépendance d'esprit du chef d'entreprise, génie visionnaire de l'économie, non pas celle d'hier, mais celle de demain, Jimmy Goldsmith. Profondément français, citoyen français, profondément attaché à la France, mais aussi européen par toutes ses fibres. Ayant créé dans l'Europe entière des entreprises lui permettant d'avoir les contacts nécessaires pour que nous soyons en mesure de vous annoncer ce soir, oui, est en train de se créer, oui, vient d'être créé un mouvement européen regroupant des représentants futurs députés européens dans 10 pays de la communauté européenne et qui siégeront ensemble dans le groupe parlementaire animé et présidé par Jimmy Goldsmith. Des gens libres. Quel est le juge le plus libre en France ? La figure emblématique de la lutte contre la corruption, de l'indépendance et de l'indépendance d'esprit. Et puis, nous avons l'honneur d'avoir avec nous celui qui a trouvé dans son patrimoine familial et dans son parcours personnel, alors qu'il est déjà député européen,
ce qu'on appelle en France l'esprit d'indépendance et l'indépendance d'esprit, Charles de Gaulle. Il aurait pu aller sur une autre liste. Il est venu sur la nôtre parce qu'il m'a dit ceci, de manière à la fois intime et solennelle, moi, petit-fils du général de Gaulle, je fais le choix de la conscience historique pour la France. Des hommes, des femmes libres, libres comme une mère de famille, Françoise Cellier, et qui ne doit rien, et qui ne doit rien à l'État, et qui ne doit rien d'autre que ce que lui dicte son devoir de mère de famille, c'est-à-dire face à l'avenir pour ses enfants, pour que la famille ait une place en France et en Europe. Libre, libre, libre comme un député qui n'a besoin d'aucune estampille, d'aucune étiquette, pour se faire élire tout seul, sur ses seules qualités personnelles, sur sa personnalité, notre ami Philippe Martin. Mes chers amis, je voudrais ajouter à son sujet, pour l'anecdote, mais elle est symptomatique et sans doute prémonitoire, que nous avons choisi Philippe Martin avec Jimmy Goldsmith il y a déjà plusieurs mois et qu'il ne restait plus à la liste centriste que de choisir non pas le battant, non pas le vainqueur, mais le vaincu pour le recaser, M. Stasi. Et puis, tous ceux qui sont ici, toutes celles qui sont ici, 87 noms de celles et ceux que nous avons cooptés, qui sont des élus, des responsables de la vie économique, de la vie culturelle, de la vie associative, que nous avons cooptés, disais-je, parce qu'il y a une ligne, une cohésion, une cohérence lisible et visible pour nos concitoyens. Nous sommes attachés aux mêmes valeurs fondatrices, je dirais, par les temps qui courent, aux mêmes valeurs de civilisation et de survie. Alors, nous nous sommes retrouvés, cette liste est à la fois un point de rassemblement, un point de rencontre et un point de départ. Celles et ceux qui sont ici en face de vous ce soir, pour beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre eux, hier encore, il y a quelques jours, seulement ne se connaissaient pas. Ils ne savaient pas toujours qu'avec des parcours si différents, parcours personnels, sensibilité aussi, ils allaient composer, constituer ce point de rencontre et ce point de rassemblement au sens d'une France qui est beaucoup plus que chacun d'entre nous, qui est beaucoup plus haut que nous, qui est beaucoup plus ancienne que nous, et qui perdurera après nous. Loin de nous l'idée d'accepter une estampille, une étiquette, mais loin de nous aussi la tentation de la critique systématique. Je le dis avec gravité, en vous demandant toute votre attention. Nous sommes là pour faire gagner notre pays. Je souhaite, nous souhaitons, le succès du gouvernement de la France, parce que son échec serait l'échec de la France, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés, pour faire en sorte que notre message soit entendu et qu'il permette de remettre l'Europe à l'endroit, alors qu'aujourd'hui, hélas, l'Europe est à l'envers. Alors,
Pourquoi voter pour nous? Pourquoi? Pour deux raisons. L'une qui tient à la France, l'autre qui tient à l'Europe. La raison qui tient à la France, c'est que nous renforçons par notre démarche la majorité de la France. Je dis bien, nous renforçons la majorité de la France. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. En profitant de l'occasion qui me donnait pour le dire aussi à beaucoup de Français, quand il y a un scrutin majoritaire, comme pour l'élection présidentielle, la diversité des candidatures est mortelle. Et c'est pourquoi vous trouvez ici des artisans, vous trouverez ici des artisans de l'unité de candidature pour l'élection présidentielle. Mais lorsqu'il s'agit d'un scrutin proportionnel, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que c'est un scrutin qui élargit, qui additionne, qui photographie. Il n'y a donc pas de division possible, il n'y a que des additions possibles. Et je voudrais vous dire, dès maintenant, en prenant rendez-vous avec vous pour le 12 juin au soir, oui, pour connaître le score de la majorité, nous additionnerons à notre score le score de la liste de M. Baudis pour avoir le score de la majorité. Grâce à nous, grâce à la liste L'Autre Europe, nous donnons à chaque Français l'occasion d'exprimer en conscience sa sensibilité, sa conviction. Et si notre liste n'était pas là, beaucoup de Français aujourd'hui choisiraient de ne pas s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, les Français, chaque jour davantage, comprenant notre démarche, se tournent vers nous, se tournent vers vous, vers les comités de soutien, département après département. C'est la raison pour laquelle, sans doute, nous sommes si nombreux partout à faire campagne. Je serais même tenté de dire les seuls à faire vraiment campagne. Nous sommes la liste de la majorité pour l'autre Europe. Et j'irai plus loin, dans les heures qui viennent, le phénomène peut apparaître et qui impose les retrouvailles du combat que nous avons mené au moment du référendum du Maastricht, impose ces retrouvailles, c'est-à-dire de la majorité de la majorité. Oui. Il y a une immense majorité de la majorité qui a voté non à Maastricht. Il se pourrait bien qu'il y ait aussi une majorité de la majorité qui choisisse la liste Villiers plutôt que la liste Baudis. Le combat que nous avons choisi de mener avec Jimmy Goldsmith, avec Charles de Gaulle, avec le juge Jean-Pierre, François Cellier, Philippe Martin et tous les autres, c'est le même combat qui continue, le combat que nous avons mené, et j'en suis fier, avec Charles Pasqua et Philippe Seguin, ce combat continue. Nous sommes au cœur de la majorité. Et à entendre ceux qui voudraient nous exclure, oh le vilain mot d'exclusion. Si peu démocrates et si peu chrétiens. Avoir la gêne de ceux qui voudraient nous exclure, j'ai envie de dire, avant de passer au chapitre suivant une dernière fois avec eux, l'assurance et la sérénité d'un président de conseil général issu de la majorité. Oui, nous sommes le cœur battant de la majorité, nous sommes issus de la majorité,
nous y sommes bien et nous appelons la majorité à venir rejoindre la majorité. La deuxième raison pour laquelle il faut voter pour nous, dites-le autour de vous, c'est que pour l'instant, une chose a été cachée aux Français et qui est décisive. Tous les jours, nous rencontrons des Français qui nous disent « Mais oui, bien sûr, avec Jimmy Goldsmith, vous avez raison. C'est vrai que le GATT, Schengen, Maastricht, ce sont des évolutions néfastes, mais sans doute irréversibles. Vous ne ferez rien, vous ne pourrez rien faire contre cette grosse machine. » Eh bien, si. Non seulement parce qu'aujourd'hui, le Sénat, dans sa grande sagesse, n'est-ce pas, monsieur le sénateur Bernard Cellier, que je salue au passage chaleureusement, non seulement parce que le Sénat, dans sa grande sagesse, a déclaré récemment que décidément le traité de Schengen était inapplicable, non seulement parce que Jimmy fera tout ce qui est en son pouvoir, avec toute son influence dans le monde entier, pour bloquer le processus du GATT, et je crois que c'est bien parti, notamment aux États-Unis. Mais parce que, le saviez-vous, chers amis qui êtes venus si nombreux ce soir à Paris, vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de bloquer le processus de Maastricht et d'obliger nos partenaires à signer tout de suite, en 1996, c'est presque tout de suite un nouveau traité de Rome. Ce qui a été caché aux Français, c'est l'article N du traité de Maastricht qui prévoit en 1987 sa propre révision. Oui, nous avons raison de vouloir envoyer à Bruxelles et à Strasbourg des éléments de contrepoids, des députés européens qui ne sacrifieront pas les intérêts de la France, mais qui sauront les défendre à l'occasion de la renégociation nécessaire et d'ores et déjà prévue du traité de Maastricht. 1996, il faudra renégocier le traité de Maastricht. Et puisqu'il faudra renégocier le traité de Maastricht, autant envoyer là-bas des gens qui vont renégocier dans le sens de ce que souhaite la majorité des Français, c'est-à-dire une Europe de la préférence communautaire. Quelle est donc notre différence? Troisième question. Notre différence avec Michel Rocard? Notre différence avec Bernard-Henri Lévy? On ne siffle pas les intellectuels. Avec M. Bernard-Henri Lévy, la différence, elle saute aux yeux, c'est que lui, il a dit à la télévision pendant des jours et des jours au moment du référendum de Maastricht, « Votez oui à Maastricht, avec Maastricht, ce sera la paix en Bosnie. » Et maintenant, qu'est-ce qu'il propose? D'alimenter la guerre. Notre différence avec les pyromanes, elle est évidente. À un moment où il y a la présence de nos soldats, qui font honneur à la France et qui ont grandi le crédit moral de la France. Au moment, comme le disait le juge Jean-Pierre, où on n'a pas le droit d'interpréter et de détourner la souffrance des populations aujourd'hui sacrifiées par la lâcheté de l'Europe, au moment où tous ensemble, nous devons aider l'action diplomatique de la France qui tente une percée dans le brouillard pour qu'on sorte avec une solution politique plutôt qu'avec une solution humanitaire ou militaire. Il est des moments dans l'histoire d'une nation où la souffrance, si près de nous, où la présence de nos soldats, si difficile à maintenir quand il s'agit de garantir leur sécurité en même temps que notre influence, impose à la fois l'audace et la retenue.
la retenue, le devoir d'être la France, une seule France, derrière sa diplomatie, qui agit. Bien sûr, il y a eu des fautes énormes, mais la France agit. Il faut l'aider à faire pression sur tous les belligérants pour un partage juste. Et j'ajouterai ceci, au nom de tous nos amis de la liste L'Autre Europe, nous faisons ce soir une proposition qui nous paraît simple, évidente. Il ne faut plus que les nations bridées par le bidule de Maastricht aux ordres du machin restent impuissantes. Il faut créer, dans les jours qui viennent, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale, un véritable conseil de sécurité des trois grandes nations européennes, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, pour qu'elles s'entendent et qu'elles fassent la paix en Bosnie, sinon l'Europe se désagrégera. Quelle est notre différence avec Michel Rocard? Elle est simple. C'est que son programme a été rédigé par les mêmes collaborateurs de M. Delors que le programme de M. Baudis. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les collaborateurs de M. Baudis et de M. Delors, comme des frères siamois, entourant M. Jean-Louis Bourlange et leur commune amitié avec M. Delors, sont en train de se gratter la tête pour l'émission 7 sur 7 de demain soir, en se disant « il va falloir qu'on trouve des différences ». Quelle différence avec M. Baudis? Pourquoi tourner autour de la question? Abordons-la de front. Je crois que Jimmy l'a fait il y a quelques instants. Je vais le faire à mon tour, très simplement. Et sans aucun esprit polémique, mais pour que les Français sachent pourquoi il y a deux listes dans la majorité. La liste centriste de M. Baudis et M. Stasi et leurs amis, et puis la nôtre, l'Europe des Nations. La première différence, c'est que M. Baudis, contrairement à nous, passe son temps à s'excuser. Il a inventé ces temps-ci une nouvelle posture politicienne qu'on pourrait ainsi qualifier l'abjuro-fédéralisme. C'est-à-dire qu'il nous dit à peu près ceci, il le répète tous les jours d'interview en interview. Je me suis trompé. J'étais fédéraliste. J'ai fait voter oui à Maastricht, je ne le suis plus. En d'autres termes, il vient dire aux Français, je me suis trompé, alors votez pour moi. Eh bien, moi, je vous dis ce soir, je ne me suis pas trompé, alors votez pour moi. Parce que comme on dit chez moi, quand un gars commence à se tromper, on est comme une roue qui chasse, ça devient vite une habitude. Alors ils se sont trompés sur Maastricht, bon, ils se sont trompés sur Schengen, ils se sont trompés sur le GATT. Oh les gars, faut... Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils se trompent, c'est la France qui va dans le mur et c'est l'Europe qui se désagrège. Car nous avions dit au moment de Maastricht que nous étions contre Maastricht parce que Maastricht contenait des forces centrifuges qui risquaient de désagréger l'Europe. C'est ce qui se passe, hélas, aujourd'hui, car tout le processus de la construction européenne est bloqué sous nos yeux impuissants. Monsieur Baudis
passant son temps à s'excuser, passe son temps à se contredire. Je voudrais relever une seule contradiction, une seule. Mais on ne peut pas passer son temps à dire que le cheval blanc d'Henri IV est noir. La contradiction est la suivante. Dans son discours oral, il nous dit « Je mets au défi quiconque de trouver chez moi des propos fédéralistes. » Monsieur Boudis, je relève le défi, à mon tour, après Jimmy Goldsmith. Et je vous dis, mais j'en ai trouvé 11 pages de propos fédéralistes, de vous. C'est votre programme. Et attendez, je donne tout de suite une précision et un exemple, en espérant que cet exemple sera utilisé demain par Madame Sinclair pour lui poser cette question, afin qu'elle lui soit répercutée. Comment, Monsieur Dominique Baudis, je dis ça avec sympathie pour vous parce que vous êtes sur la bonne voie de l'honnêteté. Vous êtes en train de reconnaître que vous vous êtes trompé. Alors encore un petit effort. Vous avez abjuré le fédéralisme, abjuré donc votre programme, et à ce moment-là, ben, vous venez sur notre liste, et puis c'est terminé. Alors, la question que je voudrais lui poser, comment pouvez-vous concilier votre abjuration du fédéralisme avec votre engagement sur l'honneur solennel, écrit, inscrit dans le marbre de votre programme, proclamé solennellement le 9 mars, comment pouvez-vous concilier votre abjuration du fédéralisme avec votre engagement d'aller siéger avec tous vos amis députés européens, d'aller siéger au Parti fédéraliste européen qui s'appelle le Parti populaire européen et qui a précisément prévu dans une charte spéciale pour la campagne européenne la fusion des nations, c'est-à-dire l'Europe fédérale. C'est écrit en toutes lettres, Monsieur Baudis. Alors il faut que Madame Carrère-Dancos vous aide à relire vos textes et il faut que vous vous mettiez d'accord entre vous parce que je peux d'ores et déjà vous dire quelque chose, mes chers amis. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux parce que ça m'étonnerait beaucoup que les gaullistes qui sont sur cette liste aillent siéger au Parti fédéraliste européen. Je prends le pari qu'ils n'iront pas dans ce parti. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples, et notamment cette phrase « De moins en moins de décisions à la majorité, de plus en plus de décisions à l'unanimité ». En réalité, je dirais d'une phrase que le programme de la liste centriste contribuerait à faire sauter toutes les sécurités de l'Europe aujourd'hui à la dérive, les sécurités de nos entreprises livrées au libre-échangisme mondial, Maastricht, le GATT. Personne de chez eux ne propose de revenir sur l'acte juridique de rupture qui a été le traité de Maastricht, en son article 3A qui détruit l'article 3 du traité de Rome. Mon Dieu, c'est une indignation. Les ballons sont tellement gonflés par votre euphorie qu'ils claquent. Et je voudrais vous dire ceci, à l'heure où nous sommes, la sécurité de nos protections commerciales est une chose décisive. L'Europe est ouverte à tous les vents. Il n'y a plus de portes. Il ne s'agit pas de démonter les fenêtres. Il s'agit de la refonder avant de l'élargir. La sécurité des personnes, la sécurité des biens, la sécurité des frontières, la sécurité de la citoyenneté. Il faut refonder l'Europe et faire l'Europe des nations. Ce que nous proposons, c'est un nouveau traité de Rome. Un acte de rupture et en même temps un acte novateur, c'est-à-dire un acte juridique fondamental. Tout commence par un malaise, tout se traduit par une volonté politique et tout se termine par un acte juridique. Un acte juridique qu'on pourrait ainsi énumérer en quatre phrases. Article 1er,
Il est constitué un marché commun, libre, fondé sur la concurrence interne. Article 2. Ce marché commun est un marché commun protégé, fondé sur la préférence communautaire, dans lequel on ne laisse rentrer depuis les pays extérieurs que les biens et les services dont on a préalablement vérifié qu'ils ne viennent pas détruire nos emplois. Article 3. La communauté européenne, ayant vocation à réunir l'ensemble du continent, qui respire enfin de ses deux poumons, est fondée sur les souverainetés nationales, confiante à l'Europe, ce que les nations ne peuvent pas faire toutes seules, tout ce qui concerne précisément la sécurité écologique, quand les centrales de l'Est menacent de nous péter à la figure, la sécurité de la santé publique, lorsque l'hormone BST qui gorge la viande américaine vient chez nous alors qu'elle est interdite chez nous, la sécurité de la santé publique, ça c'est l'Europe, la sécurité de nos frontières, ça c'est l'Europe, plutôt que le traité de Schengen qui démantèle nos derniers contrôles aux frontières, la sécurité de la paix, ça c'est l'Europe, avec ce conseil de sécurité dont je parlais à l'instant. Ce qu'une famille peut faire chez nous toute seule qu'elle le fasse, ce qu'une nation chez nous peut faire toute seule qu'elle le fasse, ce qu'un Parlement, le Parlement français, peut faire tout seul qu'il le fasse, nous n'acceptons plus. Nous n'acceptons plus que la Commission de Bruxelles soit l'exécutif de l'Europe. Nous souhaitons faire de la Commission, c'est-à-dire de ces hauts fonctionnaires qui sont nommés et non pas élus et qui sont incontrôlables, nous souhaitons faire de la Commission de Bruxelles un simple secrétariat administratif. Voilà pour l'article 3. Article 4, il est mis fin par avance à toute application par zèle anticipée du traité de Schengen et il est institué les bases d'un nouveau traité pour la sécurité et la justice en Europe fondé sur le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières sur les marchandises et sur les personnes afin qu'on imagine tous ensemble, non pas l'Europe du passé, l'Europe de Yalta, l'Europe de Maastricht, l'Europe de M. Mitterrand et de M. Delors, mais l'Europe de l'avenir. L'Europe de l'avenir, c'est ce nouveau monde dans lequel Jimmy Goldsmith nous a invités à entrer tout à l'heure. Nouveau monde économique quand deux planètes sociales se rencontrent, ce qui nécessite d'installer des protections, des membranes, des écluses. Un nouveau monde politique au sens où les dangers reviennent après une longue période de glaciation des grands problèmes de l'humanité quand l'urgence n'est plus de faire la monnaie unique, on avait la monnaie commune. Elle ne marche plus, on a voulu faire la monnaie unique, c'est une utopie qui ne marche pas. Quand l'urgence est de faire la sécurité, c'est-à-dire la paix, afin qu'il n'y ait pas d'autres Bosnies virtuelles. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Le monde nouveau dans lequel nous sommes entrés, c'est le monde des turbulences migratoires. C'est le monde aussi de ce que le juge Jean-Pierre connaît si bien par son expérience. Et par son influence, grâce à tous les magistrats dans toute l'Europe qui travaillent déjà avec lui et qui travailleront avec lui à Strasbourg et à Bruxelles pour mettre sur pied, pour imaginer une Europe judiciaire, une Europe de la sécurité fondée sur la souveraineté, le rétablissement des frontières, mais aussi fondée sur la coopération et notamment pour qu'on puisse mener, pour que la justice puisse mener à l'échelle européenne une véritable opération main propre qui débarrasse l'Europe du recyclage de l'argent sale, de ces grands réseaux criminels qui creusent des galeries sous nos pas. Et enfin de la corruption qui nous ronge. C'est pas la gauche qui corrompt, c'est pas la droite qui corrompt. C'est le pouvoir
l'exercice du pouvoir lorsqu'il n'est pas borné par des références morales. Oui, la France est au bord d'une implosion sociale. Oui, la France est au bord d'une septicémie morale. Et c'est la raison pour laquelle... mon dernier mot sera pour les plus jeunes d'entre vous. Dans quelques jours, vous les jeunes, vous allez apprendre ou réapprendre votre histoire, celle des plus anciens que nous, celle de la génération d'avant, le 6 juin 44, le 6 juin 94. Ceux qui ont connu la guerre savent que la paix est une autre conquête et que la liberté est l'accomplissement d'une civilisation personnelle établie sur des valeurs fondatrices sans lesquelles il n'y a pas de paix civile. Les valeurs de l'Europe, les valeurs qui ont fait l'Europe. Nous sommes d'Europe, nous sommes passionnément européens et profondément français. Le 6 juin 94, souvenez-vous de ceux qui ont libéré le territoire. Souvenez-vous de l'esprit de privation de ceux qui ont résisté à la pente naturelle, qui est toujours l'abandon, l'éboulement, le renoncement. Souvenez-vous de l'esprit de résistance. Souvenez-vous que Malraux disait « Les Grecs sont devenus grands d'abord lorsqu'ils ont appris à dire non. » Et puis à l'autre bout de l'Europe, un homme, prophète du XXe siècle, a remis le pied en Europe, de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle, Alexandre Solzhenitsyn, et en disant ceci... sur les lieux mêmes du goulag qu'il avait quitté il y a 20 ans, une terre qui enferme en son sein, sous les pieds des passants, des victimes innocentes, est à jamais une terre sacrée. Vous les jeunes, vous n'aurez pas à faire l'Europe de Yalta. Elle a été faite. Elle se défait. L'Europe a réussi la réconciliation avec l'Allemagne. La France, l'Allemagne. Bravo, c'est magnifique. La France nous a apporté la paix, mais le mur de Berlin est tombé. Le monde qui est nouveau, quand l'histoire nous invite à rejoindre la géographie, c'est une autre perspective. Il faudra que nous construisions ensemble. Il faut que nous construisions tout de suite, dès 1994-1996, une Europe forte à l'extérieur, une Europe libre à l'intérieur, et non pas une Europe tatillonne à l'intérieur et faible à l'extérieur. Mais pour qu'elle soit forte à l'extérieur, il faut une France aux mains libres et qui retrouve, comme le disait Gilbert Pérol, sa capacité d'initiative, sa personnalité, son patrimoine singulier. Vous, les jeunes, n'acceptez jamais qu'on vous donne à choisir entre la France et l'Europe. N'acceptez jamais la mutilation. Vous êtes d'Europe, vous êtes européen, et parce que vous êtes européen, ne laissez pas vos aînés éteindre en vous la petite étincelle qui peut produire là-bas en Angleterre Shakespeare, en Allemagne Goethe, en Espagne Cervantes, chez nous Molière, Racine et tous les créateurs de l'avenir qui commencent par faire le plein de leur fidélité. N'acceptez pas qu'on déchire les tissus affectifs de la France. N'acceptez pas le troc d'une France mythique qu'entre votre volonté serait défaillante. Une France mythique, une France surmultipliée, une France de prothèses, une France de procédures. N'acceptez pas le troc entre la démocratie qui vous échapperait des mains quand le Parlement français ne serait plus qu'un théâtre d'ombre. Le troc entre ce théâtre d'ombre et je ne sais quelle technocratie des experts qui nous submergent et qui sont comme des ombres portées des politiques aujourd'hui, comme des oreillettes ou des prompteurs. N'acceptez pas de naviguer entre les prompteurs. Improvisez,
imaginer, créer. La France est un grand pays, mais le sait-elle encore? Il y a un pouvoir égalisateur de l'atome, il y a un pouvoir égalisateur de la volonté. Les seules maladies dont meurent les nations sont les maladies de la volonté. La France ne doit pas mourir. Il faut faire la grande Europe, et pour faire la grande Europe, il faut la France.